بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 113, باب كراهة النفخ في الشراب. Chapitre le fait qu'il est makrouh, le détestable, ou souffler dans ce qui nous peut boire. Hadith 765 an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, rapporté par Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha 'an an-nafkh fi ash-sharab, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche souffler dans ash-sharab, dans la boisson, dans quelque chose qui nous peut boire. Fa qala rajul alu anjimunjia القذات أراها في الإناء. On peut trouver en la poussière dans mon récipient. قذات veut dire en la poussière, ou soit n'importe qui résidu, n'importe qui quelque chose qui est posé, est déposé là-dedans. Il est capable d'un feuillage, il est capable d'un affaire qui sec, il est capable de la poussière, il est capable n'importe qui quelque chose qui est posé là-dedans. فقال ألو رسول الله صلى الله عليه وسلم répond lui أهرقها Lala Rasoul Salam Jali Betchi Ali, enlève-lui. Ça veut dire enlève-lui, ou soit bois une façon que tu ne pas boire dans ça, la poussière là. Par exemple, si la poussière là, pas ici, bois pas là. Dans lesquels cas, les peut bien boire une seule gosée, par exemple. Alors, Jimunla dit Inni la arwa min nafasin wahidin. Min nafasi wahidin. Mo pas pour suffit si je bois une seule gosée. Ça veut dire que les gens ont soif, les gens ont plaisir à gozer. Ça veut dire, comme on nous l'a expliqué, nous, innani, les chiddati l'attach, la yahsoulouli, arra'i, fi attanafusin wahid. Qui m'a bien tellement soif qu'il n'est pas pour suffit pour me boire un seul gozer. Fama li, buddha, min an nafasi, fi sharab. Alors, m'a pour bien, comment dire, souffler dans ta récipient là. Alors, il y a deux qualités souffler ici là. Il y a un, on fait comme ça. Me souffler, on va dire expressément, c'est pas une respiration, c'est plutôt une expiration à travers la bouche. Me souffler, par exemple, il y a dit on a habitué souffler l'eau manger pour faire les vignes frais, ou soit l'eau boire parce qu'il est trop chaud, ou soit il y a une affaire là-dedans, il a besoin de souffler pour faire les aller. Alors, Rasoul Zatam, il dit évite-les. Donc, là, ça dit on là, comme on l'a expliqué, nous, qui tellement il a soif qu'il n'est pas capable de tirer dans sur la bouche. Alors, il peut besoin boire, souffler ou soit respirer en même temps. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبعد القدح عن فمه. Alors, Rasoul Salam, qui fait quand l'injali ahriqaha, l'injali éloigne ça quelque chose qui est impur là, depuis de la bouche. Il n'est pas impur, hein, s'il était impur, elle est là, masla là, tu peux venir différent. C'est quelque chose qui est propre, mais c'est moi qui n'est pas supposé boire. Alors, l'injali, quand tu bois, boire un côté, comment dire, une façon, côté impur, là, pas pour venir de sa gosée qui donne boire là. Alors, ça dit, mon là, il dit, non, boire tellement soif qu'il m'a continué à boire. Dans sa hadith là, ben, nos lamas expliquent nous qui, dans sa bout là, là, montrez-nous qui, il y en a jawaz, il y en a permission, donc, il permet pour boire une seule gosée aussi, pas de problème. Et comment ça, ça, habila, dans ce sens, donc, peut impliquer qui, boire une seule gosée, mais c'est moi pas boire côté dans sa impureté là, côté dans sa résidu là. Call, alors, رسول صلى الله عليه وسلم جلي فأبني القدح إذن عن فيك. Alors, littéralement, nous traduisons Ali, incline ce récipient-là, comment dire, loin depuis la bouche. Qui veut dire ça? Ça veut dire faire livre d'une façon que ça résidu-là, ça quelque chose qui est déposé là, il n'est pas venu côté la bouche, il vient loin depuis la bouche. Là, toi, tu peux boire, ça le quelque chose-là, il est loin là-bas, il n'est pas pour rentrer dans la bouche. Ça, c'est une façon, nous comprendre, ou soit, deuxième façon, nous comprendre, c'est que si jamais ça qui se donne une de sur la bouche, là, il tient de sur la bouche, les crasses. Donc, ça pour montrer nous que Rasoul Zassalam peut montrer lui différentes façons, pas une façon pour lui éviter qu'il souffle dans sur la boisson. Alors, l'autre hadith, c'est Nazis des hadiths dans ce chapitre-là, hadith 766, wa an ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. Alors là, il fait la différence entre deux qualités souffle. Qui le prophète صلى الله عليه وسلم fin empêche
respirer dans l'ina, dans le récipient dans lequel nous pouvons boire. Alors comment nous finissons trouver récemment? Un jumon les boit tellement les soif, les boit, les continue boire, les continue boire, et quand les peut boire, les peut besoin respirer, donc il respire dans ce même récipient là. Ça, les pas bon, ça les macro. Ou soit nous apprenons comment nous apprenons meilleure façon, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il montré, nous boire un gosé, nous tirer, nous respirer loin de nos récipients, pas dans nos récipients. Là, là, nous reboire une gosée, nous tirer, nous respirer, nous continuer comme ça, trois gosées, cinq gosées, sept gosées, un nom impair. Et donc, nous, Banu Lama, conseille-nous qui, avant, à la lumière du hadith, avant nous boire une gosée, nous dire Bismillah, et quand nous finissons boire gosée, là, nous dire Alhamdulillah. Ça, c'est la meilleure façon, façon sunnat. Donc, nous trouvons aussi qu'il est possible pour boire dans une seule gosée et. Mais seulement nous besoin évite qu'il nous continue à respirer dans nos récipients. Ou yon fakha fihi, ou soit un dimon soufflé là-dedans expressément. Donc, NAN respiré là-dedans. Ça, donc à travers un néné, ça, nous besoin éviter et souffler là-dedans. Ça aussi, nous besoin éviter. Il y a beaucoup de raisons là-dedans. Il y a pour faire avec Shaitan, sur une pratique qui est aussi habitué à souffler. L'autre affaire encore qui, comme on l'a dit, pour une raison médicale, peut-être capable d'avoir une impureté, la salive ou soit n'importe qui, quelque chose qui est capable de venir dans sa boîte là. Surtout si nous avons ou portage avec les autres du monde. Alors, une fois, nous avons habitué souffler l'eau nudité parce qu'il est trop bouillante, souffler l'eau en quelque chose parce qu'il est trop chaud. Alors, c'est une pratique qui est bon nous éviter, nous vous inviter parce qu'il est macro, il n'est pas recommandé. Rasoul Salam fait dire, n'a pas fait ça. Donc, peut-être, si nous visons attendre les frais, nous attendons. Si nous visons ventre, un petit peu, nous ventre, mais, nous évite souffler dans nos manger, dans nos bois, et nous évite respirer là-dedans. Alors, nous faisons droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fais-nous comprendre, nous dîmes, donne-nous tawfiq, adopter un adab, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fais-nous montrer nous dans tout ce faire nous la vie, et, y compris dans manger, dans boire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bénis-nous dans tout ce qu'il fait de nous. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين